Bonjour Grande Lumière Sacrée, joie de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer la pleine lune qui arrive dans quelques jours. Et j'ai demandé hier aux forces des océans de me guider vers un endroit où nous pourrions déposer un cocon d'énergie, de ressourcement, de régénération et d'ancrage pour la tribu. Et la réponse est arrivée aujourd'hui. Nous allons aller dans un lieu qui est une cave, en fait une très belle cave, et qui nous accueille pour un temps de reliance, de méditation et de ressourcement au cœur des puissances et des beautés de Gaïa. Alors si vous ressentez un grand oui dans votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants pour vous aligner, vous centrer par la respiration sacrée. Et puis on va rentrer dans ce lieu magique. Je vous invite à inspirer, expirer profondément et à appeler vos équipes de lumière à vos côtés, et plus particulièrement vos guides des forces de l'intra-terre, des forces préservées, intouchables et intouchées de Mère Gaïa. Il y a simplement à demander, à vous relier par la conscience du cœur, la conscience du corps, la conscience de votre éternité, à ce lieu sacré qui nous invite aujourd'hui pour nous régénérer et nous asseoir au cœur de la grande victoire. Karamaya Anashanga Inoenge. Chacun ayant sa propre grande victoire au sens sacré. Et je vous invite à proclamer à haute voix ou bien en silence intérieur, ici et maintenant. Depuis la voix du cœur sacré en moi, je viens me déposer dans les grottes de l'unité sacrée. Je viens recevoir le silence de l'amplification, de la reliance et des hyperconnexions qui vont m'aider à libérer les énergies de la 3D accumulées dans des fréquences de stagnation. Je vous invite à inspirer et à expirer profondément et à vraiment imaginer, visualiser que vous êtes assis, assise, assis.
ici, dans une grotte magnifique, d'une grande pureté, d'une grande force, où la vie coule, sans tout le magma des formes pensées, humanité. Et ressentez-vous comme précieusement choyé dans une sphère de la matière terre, de la terre d'où jaillissent les formes, les expériences, les sculptures. Kala ia anga ino ekambe. Et à votre rythme, je vous invite à accueillir les chants de votre âme, les sons sacrés, simplement en inspirant, en expirant la bouche ouverte pour sonoriser les sons qui vont vous être inspirés. Et ressentez à quel point vous êtes protégé, Maya Angaya Inno Hengaya, lorsque vous êtes puissamment ancré, connecté, relié, Ya Ia Anshangaya, avec le corps matriciel, Korena Angaya, de la terre, Maya Anashangaya. Comment les plus petites peurs se libèrent, Maya Anaya Inno Hengaya. Pour revenir à l'essentiel, Shaya Anza Angaya, de la vérité de votre ciel sur la terre, Maya Anashangaya, qui va vous donner la force, Brome Hoenengeye, le courage, Barmaya Andagam, la détermination, Shaya Inakambake, d'œuvrer au quotidien, Maya Anashangaya, dans votre vie, Shaya Anza Kambe.
Nous allons nous approcher du cercle doré des ancêtres, Bayama Ingo Enekente. Car bien d'autres avant nous ont connu des périodes de grands changements, et nous-mêmes dans d'autres vies, évidemment. Baya Inoe Kene. Et la force, Ya Inashangaya, ne nous quittera, Shaya Angaya, jamais, Baya Inoe Kem. Et ressentez, dans ce silence de la terre, Ingaya Maindo et Ingehe, à quel point Shaya Handagam, rien ne peut plus vous faire chavirer sur la terre. Ressentez les puissances ancestrales du cosmos, de la nature véritable, qui viennent nous choyer et nous rappeler d'où nous sommes nés, Yehanaka Ingaya. Et qu'il ne sert à rien de gesticuler, Brahma Iya Anakantaka. Simplement, viens te reconnecter, Ye Oneka Imangaya, à la croissance sacrée, Boye Anaka, de la terre des aimés, Ma Iya Anakan. Inspire, expire et laisse vraiment circuler en toi l'énergie du vivant, l'énergie des océans. L'énergie du magma de la terre, l'énergie de la force primordiale des beautés sacrées, des univers. Ka'ia'anawam. Et permets-toi d'être aussi un roc et d'aller activer, ici et maintenant, et je vous invite à vous placer au cœur de cette salle, Kala Imaya Ina Wengeye, et à simplement respirer dans le silence déposé. Et dans ce silence, recevez les cadeaux des ancêtres de la contenance qui nous élèvent vers nos idéaux, Maya Iwene Hengeya, qui nous donnent la foi, la confiance sacrée de croire et d'avancer au-delà des tremblements qui sont annoncés par Maya Inaya Shanga Imake. Dans l'unité des mondes se rallie une force immense qui t'aidera à chaque instant dans ton quotidien, même si parfois nous venons à en douter sur quelques pas de notre éternité. Et en ce lieu de paix, où la lune vient déposer ses rayons, en ces soirs de clarté, je vous invite à recevoir les cadeaux que les esprits de la nature ont souhaité nous offrir aujourd'hui. À la mesure des gardiens sources et ressources qui marchent à nos côtés,
à chaque instant. En face de nous, la porte qui mène à la salle des ancêtres. De la terre du grand vivant. Et vous êtes invité à y aller si vous le ressentez juste en votre humanité. En l'instant dont mon regard se dépose une clarté, celle des voiles oubliés qui ont enfin pu se lever. Regarde. Que nos intuitions s'expansent et que notre instinct primordial de la terre, du vivant, de la matrice de la nature des multivers se déploie magnifiquement en cet instant, afin qu'au-delà des troubles ou des joies ou des incertitudes de la réalité 3D créée par l'humanité, Kaya Anaga Imangaya, que votre golden compass, votre boussole de l'intimité au grand vivant, soit extrêmement précise à chaque instant. Que vous sachiez le pas suivant. Ressentez la force de ces minéraux qui ont des millions d'années vous accompagner à vous sentir en profonde sécurité, en solidité, en confiance et déterminé. Quoi qu'il se passe, vous êtes déjà la victoire. Que la joie retrouvée, l'enthousiasme sacré nous impulse. La confiance et la sérénité. Dans votre être puissamment incarné. Zamangaya 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 zana
Je vous invite à tranquillement refermer cet espace de reliance en plaçant vos mains sur le cœur, en respirant profondément, en ressentant votre corps du bout des orteils, aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au plexus solaire, aux épaules, aux doigts, au cou, au sommet du crâne, Maya Ananga Inomenge, et ressentez vraiment la vague de lumière de votre force intérieure. Naviguez avec fluidité depuis votre cœur. Shaiyandagayam Maya Ongeye. Les ancêtres, ou Mayandaga, sont à nos côtés. Yaima Ishangoye, les descendants, Maya Annagam, viennent nous impulser. Shoeya Annagam.